Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment numériser, comment scanner avec un Mac et comment rendre un fichier PDF accessible à tous. C'est-à-dire que l'on va voir comment, dans un premier temps, passer sous OCR un document, le numériser et pouvoir le transmettre par mail, par exemple, ou sur clé USB. On pourra faire différents fichiers sous différentes extensions, PDF, HTML, XLS, c'est-à-dire des fichiers Excel, DOCX, des fichiers Word. Et c'est parti donc pour le tuto comment donc créer un PDF accessible. Pour réaliser ce tuto, il va donc vous falloir télécharger et acheter une application pour Mac du nom de ABBYY FineReader Pro Mac. ABBY FineReader Pro pour Mac. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir faire du très bon travail et transformer votre Mac en une réelle machine à lire car tous les documents que vous allez numériser, que vous allez extraire, vont pouvoir être lus avec VoiceOver et d'ailleurs avec n'importe quel lecteur d'écran. Vous allez pouvoir extraire vos textes et les partager avec n'importe qui et tout ça en toute autonomie et en toute accessibilité. On va donc maintenant voir ensemble comment lancer une numérisation, comment lire. Dans un premier temps, il faudra donc vous rendre sur le site d'Abi Fine Reader. Je vous mettrai le lien dans la description. Acheter. On a donc une possibilité d'acheter directement le logiciel. 99 euros. Pour 99 euros. Ou vous allez avoir une possibilité de... Télécharger version d'évaluation. Comme je vous ai dit, les liens seront dans la description. Téléchargez votre version d'essai gratuit dès maintenant. Avec cette version d'essai, vous pouvez tester les fonctionnalités d'ABBYY FinReader Pro Formac avec les limitations suivantes. Version d'évaluation valide pendant 30 jours. Traitement de 100 pages maximum. Export et enregistrement vers une application externe limitée à 3 pages à la fois. Après expiration de la période d'essai, vous pouvez utiliser un numéro de série pour activer le produit et continuer à l'utiliser dans sa version complète. Aucune réinstallation n'est nécessaire pour utiliser la version du produit après l'avoir acheté. Voilà, donc comme vous avez compris, avec cette version d'évaluation, vous serez restreint, mais vous allez avoir la possibilité de tester quand même ce logiciel. Ce logiciel est donc compatible avec les deux plateformes, macOS et Windows. Une fois que vous avez donc téléchargé et installé correctement votre logiciel, vous ouvrez avec le raccourci commande maj A, application, votre dossier application. Vous tapez Fi FinReader Application et on tombe tout de suite sur le logiciel que l'on peut lancer avec commande flèche bas. Ouvrir la sélection, fermer la fenêtre, FinReader, nouvelle tâche, fenêtre, tableau, mon Mac, ordinateur. On arrive instantanément sur la première fenêtre d'habit en faisant flèche bas. HP Envy Photo 6200 série. On va rechercher les différents scanners qui sont sur notre réseau. Ici, HP, donc c'est la bonne. On part tout de suite vers la droite. Numériser en document PDF. Numériser en feuille de calcul Excel. Numériser en document Word. Numériser en document HTML. Quatre possibilités d'extension. Nouveau document. Numériser des images dans un nouveau document. <laughs> Langue du document. Au niveau des différentes langues, alors avec ce logiciel, on a énormément de langues une très grande partie des langues que l'on retrouve dans cette zone de liste déroulante. Nous, ce qui nous intéresse ici dans ce tuto, c'est de créer un PDF accessible. On va tout de suite revenir sur le bouton PDF. Numériser en document PDF. Alors, une fois sur ce bouton, on le valide. Appuyer numériser en document PDF. Et tout de suite, Occupé. Occupé. une fenêtre apparaît. Fine reader, Notre scanner se lance. On entend le chariot en place. Et on peut continuer dans la fenêtre. Voir ensemble les options Fine Reader. On a Importé depuis. Importé depuis. HP Envy Photos. Donc ça c'est le nom de notre scanner. Mode de numérisation. Le mode de numérisation, on est sur de la numérisation scanner à plat. Scanner à plat. Possibilité de numériser plusieurs pages avec pause. Non. Numériser plusieurs pages. On peut numériser un lot de pages. On peut scanner un livre sans aucun problème. Et ceci en automatique. Ici, j'ai mis 5 secondes. Toutes les 5 secondes, je dois donc mettre ma feuille à numériser. J'ai 5 secondes pour le faire. C'est automatisé. Vous êtes tranquille. Une fois que vous avez mis ça en marche, vous avez activé cette option. Vous allez toutes les 5 secondes mettre votre feuille et ça va numériser tout seul. Ça c'est vraiment très sympa. Résolution. Au niveau de la résolution, je vous conseille de, si c'est du texte que vous numérisez, de rester en 300 ppp pouces par pixel. 300 par des ppp. Détecter l'orientation des pages cocher. On a cette case qu'il faut absolument cocher, détecter l'orientation des pages, puisque c'est le logiciel qui va Quoi qu'il arrive, si vous mettez votre texte à l'envers, il sera reconnu automatiquement et mis à l'endroit automatiquement. Donc c'est important de cocher cette case. On continue vers la droite. Numériser. Et maintenant, on va numériser. On va passer sous OCR. OCR égale reconnaissance optique de caractère. Notre scanner repart dans sa numérisation. Et une fois terminé, on pourra... Cliquez sur le bouton ⁇ Terminer ⁇ Notre document apparaîtra automatiquement. Il faudra donc lui donner un nom. Terminer l'importation. Terminer l'importation. Appuyer Entrée, Dialogue. Pour ⁇ Fenêtre, sans titre, arrêter. ⁇ Indicateur de progression. Enregistrer, Dialogue. Enregistrer sous ⁇ Sans titre PDF ⁇ On va lui marquer par exemple... Sélectionne ST test S C A E, e, e scanner M E a, D O C MEDOC. Je fais tout de suite entrer lorsque j'ai mis mon titre. Finreader, Q, Finreader. aperçu, test scanner PDF, une page, fenêtre, document et la cible de la saisie au clavier. On a donc entendu que le logiciel avait terminé. Vous avez vu que la page s'est affichée instantanément on peut lancer voA pour la lecture du document document page 1 notice information de l'utilisateur Ibuprofène prof va 400 mg comprimé pellicule veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament puisse garder cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire puis si vous avez toute autre question si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien plus ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être. Comme vous avez pu entendre, le résultat est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir, grâce à cette technique, numériser vos livres, vos courriers, transformer votre Mac en une réelle machine à lire. Ça va être faisable avec Abbey Fine Reader. Ça, c'est vraiment très sympa de pouvoir être autonome sur sa lecture de documents et pour une centaine d'euros vous allez vraiment être autonome sur la lecture de vos bouquins, sur la lecture de documents importants et si vous êtes en milieu d'ailleurs professionnel, on est en ce moment en pleine semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Si des entreprises tombent sur cette vidéo, surtout n'hésitez en aucun cas, regardez autour de vous. Et si vous avez des personnes en situation d'handicap, n'hésitez pas, foncez, regardez, n'hésitez pas, foncez, proposez un métier à une personne en situation d'handicap. Et je pense que vous ne le regretterez en aucun cas. J'espère que beaucoup d'entre vous trouveront du travail. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a pu vous aider dans la lecture des documents en milieu professionnel ou... Chez vous pour la lecture de vos courriers, pour la lecture de vos bouquins, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à partager, à liker et à vous abonner comme d'habitude sur Vision Hi-Tech. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!